Et si vous aviez été piégé? Oui, Tarleton, l'AIM, ce soi-disant remède, tout ça, ça tient pas debout. Il y a un truc qui cloche, je le sens. Pas vous? Vous êtes le docteur Bruce Banner, l'un des plus grands esprits de notre temps. Grands esprits. Regarde-toi. Regarde ce qu'on a fait. Tu ne sais pas à quel point c'est dangereux. Je fais entièrement confiance aux capacités du docteur Rapaccini. Non, arrêtez, arrêtez, pitié, non, arrêtez! Emprisonnement et torture. C'est comme ça que l'AIM veut rendre le monde meilleur. Sauver le monde exige des sacrifices! Aide-toi. Je te faisais confiance. Comment as-tu osé m'infliger ça à moi, Monica? Tony, Tom, les câbles! Ouais, là c'est bien mieux. Ne parviendrez pas à contenir la vague inévitable du progrès, Avengers. Ça devient de plus en plus bizarre. Très bien. On parle très bien. Vous m'entendez? Le convoi transporte une bombe à faire sur balle. Je débarrasserai la Terre des super-pouvoirs. Même si je dois donner ma vie. Le monde a sans doute bien changé depuis nos dernières aventures. Et nous aussi, peut-être. On a aidé à créer MODOK. Les Inhumains. L'AIM. Monica, c'est... c'est notre faute. Mais nous n'allons pas nous dérober. Et nous allons faire face à tout ça. Pour réparer le mal qu'on a fait. Pour empêcher d'autres catastrophes. Mais avant tout... nous le ferons ensemble. Avengers, rassemblement. Tous les souvenirs du sujet original. 0925 génère de puissantes salves d'énergie et il y a au moins 6 sujets avec des pouvoirs basés sur le feu. Nous constituons un arsenal. Et nous pouvons en programmer toute la puissance. Plus de héros, plus d'erreurs possibles. C'est l'heure de ta nouvelle dose. Je me sens bien. Tu as été dans le coma pendant 6 mois. Tout à l'heure, tu pouvais à peine contenir ta toux. Encore quelques doses de ma formule de régénération, et le traitement sera terminé. Ils allument encore des bougies au pied de cette statue. S'il n'y avait pas ce marteau, je l'aurais détruite. Oublie ça. On ne doit pas savoir que tu t'inquiètes encore au sujet des Avengers. Mes hommes s'en occuperont. Il y a un adaptoïde à lancer. Mais tu as raison. Cette version risque d'être plus... puissante. Elle est stabilisée? Presque. Bonjour, c'est Yusuf Khan. Merci de laisser un message et je vous rappellerai. Hey, Abou. J'ai suivi ton conseil, je suis avec Nakia et les autres à la retraite.
C'est à peine croyable, mais il n'y a aucun réseau ici. J'ai dû monter super haut pour trouver cette cabine et pouvoir t'appeler. Enfin bref, t'avais bien raison, on s'éclate. Je reviens dimanche soir. Promis, je serai sage. Je t'aime encore plus. Mais elle va pas revenir le dimanche. Les théories du complot que j'ai pu trouver en ligne indiquent que ce canyon serait la base de la résistance. C'est la seule chance qui me reste. Au moins maintenant, je sais que des gens sont passés par là. J'aurais cru que j'aurais pu passer en au-dessus, mais bon, bref. C'est moi tout craché, traverser la moitié du pays en écoutant de simples rumeurs. Mais c'est tout ce qui me reste. Pourquoi la hyène viendrait jusqu'ici? Encore être furtif, je te parie. Enfin, autre chose que des rochers. C'est un bon ou un mauvais signe? Généralement un mauvais signe. Ah, ça te prend pas de mal. La résistance. Ça doit être là qu'ils sont. C'est sûr que c'est là. Viens les trouver. Putain, je suis morte en arrière de temps. Je suis morte. Waouh. J'ai fourché. Je suis mort en arrière-temps. Mais déjà ici. Zoé ! Ma zézette, où tu es ? Oh là là. C'était bien leur base. Mais où est-ce qu'ils sont passés ? Je dirais bien quelque chose, mais... sur YouTube, je peux pas dire. Bien. Pas le con. Non. Certains ont dû réussir à s'échapper. Ils doivent être encore dans les parages.
faut que je continue à chercher. Là, c'est le bras assuré si je fais ça. Avoir chaud au cul, ça. Je connais quelqu'un que je fais des urbexito avec qui ne ferait que j'aille là-haut pour voir où je suis. Ce que je fais avec mon personnage. Et il s'appelle Monsieur Tristan. M'en veux pas, Abou. Je me dégourdis juste un peu les jambes. Taille. Ça, elle est pas drôle, ça. J'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Mes parents flipperaient s'ils me voyaient ici. En tout cas, moi, je flippe. Oups, j'ai glissé, chef. Voilà. Cassez porte. Docteur Valeur, arrêtez. Retirez les passerelles. Évacuez les sujets vers le site numéro 3. Dalton est ici? Il cache quelque chose au dernier étage. On se rejoint là-haut? Ce sont peut-être les archives. Rien ne l'arrête. Qu'est-ce que ça dit? Enfin, on approche de l'administration. C'est en bas. Je crois pas qu'ils savent que je suis là. Docteur, je sais que vous m'entendez. Je vous en prie. Vous pouvez le combattre. Je ne veux pas vous blesser. Monter en passant par le labo de recherche. Tu vas devoir forcer la salle des serveurs. Vous n'êtes pas vous-même. Vous n'êtes pas ce monstre, docteur. Vous ne voudriez pas détruire ces recherches. Vous en avez besoin.
Laissez-moi vous aider, Bruce. Il n'est pas trop tard. Une pièce qui s'appelle le laboratoire de Térigénèse. Qu'est-ce que c'est ? Essayons de réparer les dégâts que les Avengers ont causés il y a des années, que nous avons causés. Tous ces inhumains ont maintenant une chance d'avoir une vie meilleure. Ils vont encore épargner aux inhumains ce qui vous est arrivé. Ils veulent un remède. Ils mentent. Ils s'en fichent de sauver des gens. J'aurais préféré ne pas avoir à faire ça. Je vois que vous voulez les combattre. Vous ne voulez pas être cette chose, mais vous êtes faibles. L'un comme l'autre. Thank you.
été Hulk, alors je le ferai. C'est mon devoir. Pardon. Veuillez m'excuser. C'est sûrement l'entrée. Hulk, je crois que j'ai trouvé les archives de... Tu vas attendre quelques instants, madame. Hein? Allez, là, je peux pas me monter le bazar. Ah si, un petit peu. Il y en a toujours deux, là. Toujours deux. Est-ce que je peux améliorer les compétences de madame? À première vue, ouais. Je vais essayer de les ouvrir, ok? Il faut alimenter les portes. On dirait qu'il y a un générateur par ici. Bon, les interrupteurs. Concentre-toi, Kamala. Un peu plus et je passe au-dessus. Je vais perdre les interrupteurs, ils sont où? Après moi ça ne dérange pas, hein, mais il faut que je sache où sont les interrupteurs. Ah voilà. Je crois que ça doit être ça. Oh oh. Ils ont fini par me repérer. Salut, et si on s'asseyait pour discuter un peu? Générateur sous tension. Veuillez activer les systèmes principaux. Je suppose que je dois utiliser les interrupteurs pour activer le courant. Huh.
c'est pas ça. Ah mais je veux bien, mais je suis censé te faire comment? Dépêche-toi, Kamala. Il y a des interrupteurs qui t'attendent. Ah, ça doit être ça. Merde! Ah le con! Ça va. Veuillez activer les systèmes secondaires. Trop vite là. Je dois activer cet interrupteur. Il faut que j'accède aux archives. Chargement des systèmes secondaires. Ouverture de la
Merci, monsieur Rogers. Vous m'attraperez pas, bande de grippins ambulants. La porte devrait s'ouvrir maintenant. Ah oui, quelle porte ? Pardon, faut m'excuser. Là, il faut m'éclairer, elle parle de porte, il y a rien des... de rien, qu'est-ce qu'elle me parle comme porte. Ah, peut-être par là. J'espère que t'es là, Jarvis. Il se cache peut-être dans cette pile d'équipements super cool des Avengers. Allez, Kamala, il faut que je trouve un indice. Je crois que ça appartenait à Thor. C'est peut-être un levier secret ? Ah, non, juste une chope. Peut-être on reviendra là après, d'abord on finit. Il y a un peu les visites. Pourquoi exposer de la pyrite quand on peut se payer ce qu'il y a de mieux ? Faut que je continue de chercher. Le Mark 1. Est-ce qu'il comptait repasser prendre tout ça un jour ? Mystère et boule de gomme. Je sais que c'est pas le moment, mais c'est carrément génial! La guitare de Tony Stark!
Le premier bouclier de cap. Il était exposé au Heide. Tu n'ouvres pas de passage secret, si ? Ça valait le coup d'essayer. Y'a quoi là-bas ? Mais non. Jarvis. Est-ce que tu as là, vermine? Et si tu me donnais ce que tu tiens? Une version de Hulk encore mieux. Tu peux toujours essayer. Très décevant. Un Hulk lézard. Un bon retour parmi nous. Ça a pas l'air d'aller très fort. À toutes les unités, trouvez la fille et poussez-vous. Quelque chose ne tombe pas rond. Tu es différent. Je crois que ça va prendre un peu énormément de temps pour le battre. Quelque chose ne tourne pas rond. Tu es différent. De sa culpabilité.
accepter. Tu es coincé entre les deux, comme un singe stupide. Si c'est face à face, ça peut durer. Tout à l'heure, ça avait repris tout de suite, et là, ça prend du temps. Oui. Ouais, est-ce que tu sens ça? Cette puissance,
C'est ici que j'ai évolué. J'ai jamais ressenti autant de puissance. L'amour, c'est de la rage. Est-ce qu'il est mort? Où est-ce qu'on est, là, au fait? Bon, je suis toute seule. Montre-moi tes secrets.
Sujet 705. D'après notre scientifique en chef, nous avons réussi la rétro-ingénierie du Terrigène. Mais... Attendez, s'il vous plaît. Du calme. Dans un moment, tout sera fini. Administrez le remède. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais vous lui faites mal! Le résultat est prometteur. Le sujet 705 a très remarquablement récupéré et sera surveillé les prochaines 24 heures. Félicitations. Vous êtes guéri. Quoi, mais c'est impossible. Il faut qu'on sorte d'ici. C'est trop dangereux. Ouais. Bien sûr. Bon, bah, si tu veux, tu peux rendre l'endroit un peu plus... douillet. Oh, merci. Et... Pardon, veuillez m'excuser. Ça va? J'ai pas l'habitude de te voir aussi calme. Oui, c'est rien. Ok. Ok. Bon, bah... Ok. Si c'était vrai. Pardon, tu disais ? Le remède. Si c'était vrai, enfin... Ça a l'air d'être vrai, mais... Si je pouvais redevenir normal... Eh ben, tu sais... Ça marche pas comme ça. Tu les as bien vus, non ? Ça a l'air de faire très mal, mais... Peut-être que ça vaut le coup. Kamala. Je m'étais jamais intégrée avant. C'est vrai, j'admirais tellement les super-héros et... Je me disais que si... Si je pouvais gagner ce concours d'écriture de fanfiction, je sais pas, tout serait peut-être plus... Ah, peu importe. Regarde-moi. Je suis un monstre. Mais non, t'es... Tu as vu ce que tu as fait? Hein? Faut être très courageux pour faire ça. C'était stupide. Mais très courageux. Et... Peu de gens en seraient capables, tu sais. Le bien, c'est pas ce qu'on est. Hein? Non, c'est rien. Merci. Cette pièce est très bien. D'accord. Où elle le sera. D'accord. Enfin, ça... Oui. Elle est plutôt... chouette. Ouais, merci. Ok, j'ai des choses à faire. Merci. Bravo, Kamala. C'était pas gênant du tout. Mais maintenant, j'ai ma propre chambre dans le chimère. Je crois rêver. Voilà. C'est mieux. Je me demande qui logeait ici avant. C'est vraiment le bazar ici.
Je pense qu'ils utilisaient cet endroit comme entrepôt. Je devrais aller parler à Bruce. Ou alors, je pourrais explorer un peu plus maintenant que certaines portes fonctionnent. Et lui laisser le temps d'oublier qu'il m'a vu pleurer. Il faudrait faire pousser des herbes ici. Du basilic, du thym, peut-être de l'origan. Hé, hey Bruce. Désolée pour... T'en fais pas, je comprends. T'as pu trouver tu sais qui? J'allais justement me pencher là-dessus. Tu peux me donner un coup de main de l'autre côté? Appuie sur ce bouton. J'aurais de quoi encore d'améliorer les compétences de ma nana. Oh, trop génial! Ça aurait sa place dans un musée. Alors là, je peux pas l'équiper. Pas l'améliorer. Là non plus. Voilà, je peux... Nickel, là, de 13, on passe à 16. Bon, voyons ce qui se passe. Bonjour, Docteur Banner. Oh, waouh ! On a réussi ! L'ami informatique super génial de Tony Stark. Oh, je ne suis qu'un simple système doté d'une intelligence hors norme. Ravi de vous rencontrer. Mademoiselle? Khan, mais tu peux m'appeler Kamala. C'est un plaisir, Mademoiselle Kamala. Qu'est-ce qui se passe? Le terminal de mission n'a pas assez de jus. Le système est en verrouillage d'urgence. On dirait que j'ai déclenché les capteurs de sécurité quand j'étais dans le labo. On va devoir les désactiver. Je m'en occupe! Thank you.
Ok, Bruce. Qu'est-ce que je dois faire? Tu dois utiliser la console qui est sur la table du labo pour désactiver les capteurs. Je crois que c'est pire qu'avant. C'est pas grave. Il va juste falloir que tu désactives les capteurs de sécurité manuellement. Ce sont des petites lumières rouges. Comment je suis censée les atteindre? Tu plaisantes? Ah, oui, c'est vrai. Je peux étirer mes bras. Et deux, un. Ok, c'est facile. Tu sais, dans une de mes histoires, Iron Man doit détruire des lampadaires pour que Black Widow puisse infiltrer une base de l'Hydra. Ah oui? Génial. Je pensais pas qu'un Avenger était vraiment censé faire ça, tu vois. Enfin bon, je suis pas vraiment une Avenger. Tu es presque, petite. Génial, ça a marché. Reviens ici. J'espère que cette machine pourra m'en apprendre plus sur mes pouvoirs. Bien joué, Kamala. Jarvis, on doit trouver Tony. Jarvis ? Je lance la recherche. Oh non, on dirait qu'il y a un problème, Dr. Banner. J'aime pas ça. Oh non. Il semblerait que ma liaison neurale ait été endommagée lors du crash du Chimère. C'est une technologie exclusive du Shield. Sans elle, je ne peux pas accéder à la base de données globale. Du Shield ? On va appeler Maria. Maria Hill ? C'est elle qui dirige le Shield maintenant ? Plus ou moins. Personne ne sait ce qui est arrivé au directeur Fury. Il est la seule en qui nous pouvons avoir confiance. Bruce ? Contente de vous voir. Après ma confrontation avec Hulk, je n'étais pas sûre d'avoir de vos nouvelles. Oui. Je vous présente mes excuses. Hulk traverse une période... difficile. Vous n'avez pas à vous excuser. Nos vies se sont effondrées ce jour-là. Mais je suis contente de voir que les Avengers se reprennent du service. Je dirais pas ça comme ça. Bonjour, Kamala Khan. On n'est que deux pour l'instant. On essaye de trouver Monsieur Stark. Oui, il nous faut une liaison neurale. Vous devez bien en avoir une quelque part. Toutes nos ressources ont été saisies par l'AIM et la plupart de nos agents se cachent. Mais j'ai peut-être une idée. J'envoie les coordonnées à votre terminal de mission. Je vous ferai le briefing en chemin. Dois-je lancer les moteurs du Quinjet, monsieur ? Quel Quinjet ? Servez-vous du terminal de mission pour choisir la prochaine destination du Quinjet. Les coordonnées fournies par le commandant Hill désignent une région isolée dans la toundra. J'ai marqué son emplacement sur le terminal. Les missions critiques dans votre enquête sur l'AIM portent le symbole A des Avengers. Je me suis dit que c'était approprié. Certaines missions vous conduiront à affronter des ennemis avec des capacités ou des modificateurs spéciaux. Je vous recommande d'examiner avec soin les paramètres de chaque mission et de vous équiper en conséquence. D'après nos rapports, les forces de l'AIM dans cette région utilisent des armes cryogéniques. Toute pièce d'équipement offrant une résistance au froid augmentera vos chances de réussite. Tu savais qu'il était là depuis tout ce temps? Pas du tout, je t'assure. Tu voulais juste faire un petit road trip en camping-car, pas vrai? Non. Non. Non.
Ça va jusqu'à 17. Là, c'est 14. Je peux être à 14 max. 12, c'est le max. Et 14, c'est le max. Non, je crois qu'on va mettre celui-là en attendant. Bon, Hulk, on doit trouver cette liaison neurale. Peut-être qu'on pourra en apprendre plus sur ce qui est arrivé à Cap. Enfin, j'espère. J'avais oublié que le chargement était un peu long. Je vous donne accès à la fréquence sécurisée du Shield. Elle devrait vous mener au bunker. Attendez, je détecte des interférences. Quelque chose bloque le tracker. Essayez de trouver ce que c'est. D'accord. Il faudra garder un œil sur lui, Kala. L'IM a découvert le cœur, mais ils ont installé leur propre base dans la même zone. Essayez de ne pas vous faire repérer. Pas d'inquiétude. Je vais vous guider jusqu'au brouilleur de signaux. Là-haut, c'est un vaisseau de l'IM. L'élément qui obstrue le signal devrait être quelque part par là. Sois vigilant. J'ai entendu. Je m'en occupe. Je peux prendre une photographie du paysage pour pouvoir l'admirer plus tard. Oui, désolé, on se concentre. Vous allez devoir vous occuper de ce qui perturbe le signal avant de chercher le bunker. Mes excuses, continuez.
demande ce qu'il y a dans ce bâtiment de l'AIM. Si vous voulez en savoir plus, il devrait y avoir un mécanisme de verrouillage externe pour ouvrir les portes. Ah oui, une sorte d'interrupteur. Tu peux regarder si t'en trouves un par ici, Hulk. L'AIM est droit devant. Tu peux passer discrètement ? Apparemment pas. Sésame, ouvre-toi. Super. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Toi, t'es un Avenger ? C'est sûrement cette antenne qui brouille notre signal. Vous allez devoir affronter les forces de l'AIM pour l'atteindre. On va leur montrer, mon grand. J'essaie de libérer le signal. Restez à proximité du système de sécurité. Ouais, on a réussi. Prenez ça.
Le signal devrait pouvoir passer maintenant. Je le reçois parfaitement. Le tracker vous mènera jusqu'au bunker du Shield. Il faut suivre les bips. C'est parti. Le commandant Hill est toujours injoignable, hein. J'essaye de pas paniquer. On va pouvoir se réchauffer, Hulk. Au fait, tu ressens le froid? Les données ne sont pas concluantes. Dis Jarvis, tu crois que l'AIM recherche aussi le bunker du Shield? C'est très probable, Mademoiselle Khan. On approche. Tu vois quelque chose? Non. Je crois que j'ai trouvé. Beau travail. Espérons que la liaison neurale soit à l'intérieur. Tu vas bientôt pouvoir être de nouveau toi-même, Jarvis. Merci. Il est assez déplaisant d'exister sans bénéficier d'un accès instantané à toutes les informations de l'univers connu. Ça fait quoi ? De pas avoir de liaison, je veux dire. C'est comme une sorte d'amnésie. Je ne suis pas certain de ce que l'équivalent humain pourrait être. J'imagine que ce serait comme être interdit de bibliothèque. Oh, comme quand Amy éteint le Wi-Fi. Par exemple. Voilà, c'est quand même mieux avec la lumière allumée. Wow ! Regarde-moi tout ça ! On va devoir fouiller partout. Ah, deux coffres, carrément. Ah, trois coffres. Bon, comme on dit, hein, jamais 203. Hein. Voilà. La liaison neurale est tout près. Cool. Oh, wow. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que nous avons déclenché un système de sécurité secret du Shield. Avenger détecté. Bonjour Avengers. Ça fait longtemps. Nick Fury? Si vous entendez ça, alors le pire est arrivé. Ils m'ont eu. Et ça veut dire que j'ai besoin de vous plus que jamais. J'ai toujours craint que le Shield s'effondre. J'ai donc fait en sorte qu'il puisse se relever. Voici les protocoles du Shield.
Le shield fut créé pour défendre le monde. Dans un moment comme celui-ci, où tout semble perdu, nous devons nous lever et faire front. Rendez-moi service. Apportez ces protocoles au sous-directeur actuel. Ils permettront au shield de se reconstruire. Bonne chance, Avengers. Terminé. C'était Nick Fury, le directeur du shield. Les protocoles dont il a parlé doivent être à l'intérieur. Hey, arrête de foutre ta merde, connasse. Voilà. Va chercher bonheur et fais pas ta merde. Voilà. On va regarder s'il n'y a pas encore bonheur. Ça m'en a l'air que toi. Laisse-moi finir chercher bonheur. D'accord, donc il n'y a plus de bonheur. Dommage. Je crois qu'on va se bouffer des ennemis hors corps. C'est la hyène. Ils ont dû vous suivre. Protégez la liaison. Je pense pouvoir transférer les protocoles sur un serveur sécurisé. On doit rapporter ces données aux chimères. Tu penses qu'on peut s'occuper d'eux ? Voilà. J'avoue que je suis un peu mon enculé, mais on va laisser s'en occuper un petit peu. Voilà. Alors, il n'y a plus d'ennemis là. Voilà. Il y a encore un coffre. Thank you.
Alors, il n'y a plus d'ennemis là-haut. Sécurisé. Et on a la liaison neurale. Bon travail. Stop là. Fichons le camp d'ici. Nickel. Directeur Fury, on s'en sort mieux que prévu, pas vrai Jarvis? On ferait mieux de rapporter tout ça aux chimères. Configuration de l'itinéraire. Parle. Je peux passer carrément au niveau 21. Oh, tout. Moulou. 114. Oh, putain. Maintenant que la liaison neurale a été installée avec succès, j'ai accès à toute ma base de données. Le directeur Hill examine les protocoles SHIELD que vous avez également récupérés. Tu te sens mieux, Jarvis? Tout semble être en état de marche. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça représente pour moi, pour le SHIELD. Merci, Bruce. Et merci, Kamala. Avec ça, je vais pouvoir commencer à reconstruire le SHIELD. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Je pense qu'on va se voir beaucoup plus dorénavant. Avec plaisir, Madame la Directrice. Est-ce que je suis censée faire un salut ou... Non, ce n'est pas la peine. Bonne chance à tous les deux. Jarvis, tu crois que tu peux nous trouver Tony ? Il va me falloir un moment, mais je devrais pouvoir trouver Monsieur Stark. En attendant, j'ai trouvé quelque chose qui devrait intéresser Mademoiselle Khan dans la pièce arme. Dans la quoi ? La machine de réalité augmentée holographique. Les Avengers l'utilisent pour s'entraîner. Wow, ça a l'air génial ! Cependant, je préfère vous prévenir que le système risque d'être inconstant. C'est pas dangereux ? Le risque de blessure est de 0,0001%. Ok. Je te fais confiance. Je crois. Traversez les quartiers de l'équipage. La pièce arme est située à l'étage inférieur du hangar. Merci, Jarvis. Ici Phil Sheldon, en direct du campus de recherche Olympia, dans le nord-ouest Pacifique. Ce que vous venez de voir est une vidéo floue filmée à partir d'un vieux téléphone. Mais ce qu'elle nous montre est sans appel. L'incroyable Hulk semant le chaos quelque part dans le nord-ouest Pacifique. Je l'ai reçu d'un contact anonyme qui m'a raconté s'être réveillé dans son campement au milieu des tirs... C'est là que les Avengers prenaient leur pause. Il reste peut-être du soda là-dedans. Il doit plus y avoir de bulles après 5 ans. Affrontant ceux qui sont l'être des soldats armés. Nous savons que cette zone est située à proximité d'un ancien entrepôt d'archives de Stark Industries. La question que tout le monde... Deux machines à soda ? La deuxième a été installée à la demande de Monsieur Odinson. Elle sert de l'hydromel. Il y avait une inscription. Retour d'une ère héroïque ? De nouvelles horreurs comme celles commises lors du Heyday. J'ai du mal à croire que c'est réel. Un Quinjet vient de me déposer sur une base secrète du SHIELD, on a vu Nick Fury, et là je suis en train de parler avec Jarvis, non, et je suis en train maintenant. De perdre mon calme. L'IM ne peut pas localiser. Inutile de vous excuser. Le Quinjet est équipé d'une technologie de camouflage avancée. Nous sommes hors de danger pour l'instant. Bien.
Ouh, ça a eu du mal. Cool, là je suis pas allé au niveau 22. Hop. Et là, 21. Voilà. Ah bah ça va, de puissance 14, je suis passé à puissance 19. Cool. Ça doit être ça, mais on va essayer. Ah bah ça va, c'est ça. Je suis prête. J'active le processus. Wow, quoi? Voici ARM, la machine de réalité augmentée holographique. Je suis Iron Man. En effet. J'ai connecté l'ancien simulateur de vol de Monsieur Stark. J'espère que cela vous convient. Tu veux rire? Je suis Iron Man. Gare à vous, méchant virtuel. Excellent travail. C'était admirable. Fera l'affaire, je crois. Bien joué. Allez, là, je m'emmerde un peu, là. Thank you.
Itachimuru. Ah, il est con. Merci les bugs. Donc les capacités de défense sont limitées par l'énergie intrinsèque, l'énergie s'épuise lorsque capacité de défense est utilisée et se recharge progressivement ou en réalisant une action offensive. Thank you.
Ah, je crois que j'ai réussi. Ah bah malheureusement maintenant je suis obligé d'attendre. Putain. Ça c'est casse-couille au lieu de me refaire respawner directement.
si vous voulez. Cependant, je crois avoir localisé Monsieur Stark. Allons-y. La dernière position connue de Monsieur Stark est la maison de ses ancêtres, Acre Doré. Vous pourrez peut-être y trouver un indice sur l'endroit où il se trouve actuellement. J'en avais jamais entendu parler. Il a pas l'air de vouloir être retrouvé. Non, effectivement. La propriété est située dans une région reculée du Nevada. Je peux vous fournir ses coordonnées précises. Pardon. Docteur Banner, j'ai terminé les analyses que vous m'aviez demandées et découvert des traces résiduelles de radiation gamma dans une région isolée du nord-ouest pacifique. Il semble que Madame Rapatuni se serve de vos recherches pour y réaliser des expériences. J'ai marqué l'emplacement sur le terminal de mission. Regarde un peu ce pont-levis là-bas. Tony, dans toute sa subtilité. Après toi. J'arrive pas à croire qu'on va frapper à la porte de Tony Stark. Je dirais que les commandes sont de l'autre côté. Je crois que tu peux trouver un moyen de traverser. Ouais, fracasser ces rochers. Le grand gaillard n'est pas très doué pour discuter. C'est vrai. Non. Alors, c'est quoi le mieux quand on est Hulk? Il doit bien y avoir des avantages. On devrait vraiment se concentrer sur le pont-levis. Tu comptes faire quoi? Rester là sans rien dire tout le long? Ouais, bonne idée. Oh, comme tu veux. Encore des rochers? Pas de problème. Oh.
Est-ce que ça va? Je vais bien. Je peux voir Acre Doré. Enfin, un bout. Super. Mais tu pourrais traverser et abaisser le pont? Je m'en occupe. Je peux sauter par-dessus. Juste un peu plus loin cette fois. Et voilà. J'attends toujours pour le pont, Kamala. Voilà. Il lui faut un peu de jus. Un peu de jus. Calme-toi. Beau boulot. On dirait qu'il est levé en tout cas. Ce serait pas une de ses 5 meilleures chansons pour beauté des fesses? Ouais, la numéro 4, je crois. Oh, je me demande si Monsieur Stark voudra bien me laisser conduire une de ses voitures. Ça peut pas être ça. Finissons-en. Donc, Tony Stark, le grand Tony. Tony? Salut, Bruce. Mal dormi? Oh, depuis 5 ans. Au moins, t'es au calme. Je l'étais. Je... Hé, hey, mais arrêtez! Oh, désolé. T'es qui, toi? Kamala. Eh ben, Kamala, ton ami aux yeux verts n'est pas le bienvenu chez moi. D'accord. Je l'ai mérité. Ouais, tu mérites même bien pire que ça. Les Avengers sont-ils un danger pour la société? C'était la question, Bruce. C'était ça, la question. Est-ce que tu as étudié les données? Les données scientifiques. C'était un piège, Bruce. Non. On s'est fait avoir. Le réacteur Terrigène était instable. Et tu le savais. Tu le savais et tu l'as quand même exhibé devant le monde entier. Et donc quoi? On abandonne? On n'a pas abandonné, Tony. On a échoué. Moi, au moins, je peux l'admettre. Non. On aurait dû le sauver. On aurait dû. Tony, j'ignore combien de temps tu vas m'en vouloir pour ça, et pour être honnête, je m'en fiche pas mal. Prends le temps que tu voudras. Mais cette fille est inhumaine. C'est notre faute. Et elle a besoin de toi. Je ne peux pas, je peux pas. Comment ça? Tu me laisses tomber? Eh, ne le prends pas personnellement, tu sais? Non, il est juste comme ça, tu vois? Et regarde un peu autour de toi, hein? Je peux à peine m'occuper de moi. C'était une erreur. Là, au moins, on est d'accord. Et donc quoi? Vous allez rien faire du tout? Les Avengers ont été piégés. Cap s'est fait tuer. Tu crois que je le sais pas? Hein? J'ai repensé à cette journée des milliers de fois. On blâme les Avengers malgré tous les gens qu'on a sauvés. Et ce salaud Tarleton s'en sort, et il est blanc comme neige. Et devine quoi? Devine quoi? Tous ces gens, ils s'en fichent. Fallait rejeter la faute sur quelqu'un. Et lui, il a désigné des coupables. Donc, à moins que vous ayez une preuve irréfutable, je vous suggère de vous tirer d'ici. C'est quoi ça? Une preuve. J'espère qu'elle vaut le coup.
m'avez fait mariner. Vous pouviez m'en parler plus tôt. Non, non, non. Pas sur mon canapé. T'es pas pardonné. Où est-ce que t'as eu ça? J'ai deviné votre mot de passe sur un bloc de la Résistance. Incroyable. Votre mot de passe, c'est « Je suis Iron Man ». Vraiment? Je l'avais pas changé. Bordel de... merde. Je sais, il manque un bout. Il y a tout un dossier sur le serveur de l'AIM. Non, non. Il y a autre chose. Quoi? Ouais, regardez. C'est malin, ils l'ont encrypté pour qu'il ait l'air corrompu. Dans quelques heures, on aura la suite. Qu'est-ce que... qui c'est cette ballerine? Oh non. Il faut qu'on fiche le camp. Quoi? Tu connais déjà cette fan de casse-noisette? Oui, elle m'a aidée à Jersey. Heureusement qu'elle m'a prévenue pour l'AIM. Vraiment? La ballerine? Il faut vraiment qu'on y aille. Maintenant. Bon. Moi, je suis plutôt SCDC. Ok. Il faut que je m'habille. T'as une armure? Oui. Enfin, peut-être. On verra. Excusez-moi, je vais aller enfiler quelque chose de moins confortable. Ah, c'est là que j'ai laissé mes bottes. Bien sûr, Bruce a essayé de me refourguer la gamine rebelle. Après toutes ces années, il tente encore d'échapper à ses responsabilités. Oh, fils de... Bon, on dirait que la ballerine avait raison. Qui t'ont trouvé, Bruce. On ne bouge plus maintenant. Arrête de me juger, grand-père. Je fais de mon mieux. Machine volante de grand-mère, toujours resplendissante. Pas comme son inventrice. Prenons un peu de hauteur. Des troubles faits. Hey, salut les gars!
Oh, puissance 41 d'un coup, toi. 49, hop. Ah non, on est déjà à 51, on ne modifie pas. On ne modifie pas, attends. Je crois que j'ai fait une bourde là, ici. Non, c'est bon. On va voir là. C'est bon. Là, j'avoue que je suis un peu coincé là. Ok, il devrait être par là. Heureusement qu'il n'y a pas de voisin. Il serait un peu contrarié sinon. Vous qui aimez les entrées fracassantes, Stark. Vous me donnez combien ? Je te donne 7 sur 10. C'est plaisir de te voir, George. T'as fait de la muscu? T'as volé d'autres sociétés milliardaires? Seulement la vôtre. Hey, tu vas payer pour cette fenêtre, Darkon. Donc c'est ici que vous habitez maintenant. Je m'attendais à voir plus de miroirs. Je me suis débarrassé de tout ce qui ne m'apportait pas de la joie. Devine dans quelle catégorie tu es. Livrez-moi la fille, Stark. Ensuite, tu seras le grand d'ici. Monsieur Stark. Je plaisante. Ne t'éloigne pas du gentil bonhomme vert. La fille a besoin de nous. À mon avis, elle s'en sort très bien. Les inhumains sont malades. Ils doivent être soignés. Et tu t'attends à ce que les gens avalent ça? Ces machines. Je sais pas, il a reçu des pouvoirs après l'accident. Je l'ai vu contrôler une araignée robotique une fois. Oh, on peut faire bien mieux que des araignées maintenant. Bien joué, petite. Kamala. Vous ne m'avez montré que du mépris depuis notre première rencontre. Laissez-moi vous présenter ce que j'appelle la technokinésie. Pas mal. Ça sonne drôlement bien. On a un problème aérien. T'éloigne pas de Hulk.
Mais t'approches pas trop non plus. Non, je vais me débrouiller. Regardez. Attends, t'es pas prête pour... Ou peut-être que si. Franchement, je m'étonne de vous voir réunis à nouveau, Banner et vous. Eh ben, mon cher Bruce et moi-même voyons quelqu'un pour régler nos soucis. Elle est géniale. Petite, extensible et très douée pour deviner les mots de passe. Envoyer une armée pour la capturer. Ouais, c'est assez flatteur en fait. Je crois que je commence à t'apprécier, petit. Comment te sens-tu ? Au mieux de ma forme. Vos synthétiques n'ont servi à rien ! Si vous m'aviez laissé m'occuper de Hulk et de Khan, les archives seraient toujours là ! Un peu de respect. Ce n'est plus vous qui commandez, c'est lui. Quand j'étais jeune, j'ai trouvé un louveteau orphelin dans la forêt, près de notre ferme. Quoi ? Mon père disait que c'était trop dangereux. Il m'a dit de m'en débarrasser. J'ai nourri ce louveteau. Je lui ai donné un nom. Je le regardais jouer avec mon chien adoré, Darwin. Vous me faites perdre mon temps. Je pensais qu'en instaurant des règles, des limites précises, je pourrais maîtriser la puissance de la bête. Vous avez fini de bavasser. Presque. Oh. Quelques mois plus tard, à la chasse, le louveteau qui avait grandi s'est retourné contre moi, s'est battu et m'a donné du temps pour appeler de l'aide. Stop ! Mon père a tué le loup, mais il était trop tard. Darwin avait été réduit en morceaux. George, on a besoin de lui. Je suis désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. S'il vous plaît, partez.
Jarvis, tu n'as pas pris une ride. Ravi de vous revoir, Monsieur Stark. Tu m'as manqué aussi. Ça roule comme tu veux. Je suis en parfait état de marche. Bon, fais-moi un débrief. Le chimère fonctionne grâce à l'alimentation secondaire. Je détecte des dégâts critiques sur la coque. Les moteurs sont désactivés. Le climat... Ok, donc ça va mal. Cette affirmation est exacte. Bon, il va falloir faire décoller Stade Ferraille. Pardon ? L'AIM sait qu'il est ici. Donc on doit le déplacer. Avant qu'ils arrivent. Quoi ? Bon, pendant qu'on fait un peu de ménage, tu pourrais t'occuper de quelque chose pour moi ? Bien sûr, monsieur. Peux-tu essayer de décrypter ce fichier ? Tout de suite. Désolé. Il faut que j'aille voir pourquoi les turbines ne s'activent pas. Je devrais aller contrôler les noyaux déclencheurs dans le hangar.